Avec DaVinci Resolve on peut réaliser des animations en 3D dans Fusion. Dans cette vidéo, nous allons voir vraiment les bases pour réaliser vos premières animations 3D. Si vous êtes un utilisateur plus expérimenté, peut-être vous pouvez trouver des astuces pour configurer vos lumières. Dans cette vidéo, on va voir la partie animation bien sûr, mais surtout la partie configuration des différents outils, des lumières, des images, du texte. C'est parti tout de suite Bonjour et bienvenue sur Pixel Light. Alors oui, les animations 3D, ça peut être un peu déroutant quand on débute. On a pas mal d'outils avec pas mal de paramètres de configuration et on n'obtient pas forcément les résultats qu'on voudrait. C'est même pas forcément au début très facile de naviguer dans l'interface. Donc on va voir ça. Mais déjà, la 3D, c'est quoi La 3D, c'est pouvoir animer des objets, des images, du texte dans un espace 3D. Donc on va disposer différents éléments, différents objets plus ou moins éloignés d'une caméra. Donc on va disposer des objets dans l'espace, donc avec une notion de profondeur. On va pouvoir les animer, les faire se déplacer dans cet espace. Et on va surtout animer la caméra. On va pouvoir aussi disposer des lumières pour éclairer de certaines façons les objets. On va voir ça tout de suite sur un exemple simple d'animation de texte sur une image. N'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la description, vous pourrez découvrir les Pixen Tools qui sont des outils d'animation en 2D automatisés sans se casser la tête, sans même aller dans Fusion si vous le souhaitez. Mais ces outils sont aussi utilisables dans Fusion si vous voulez faire une animation un peu plus élaborée. On passe tout de suite dans le logiciel. On se retrouve dans DaVinci Resolve et alors nous allons voir comment créer cette animation avec la lumière qui bouge et avec un fond. Nous allons donc aller dans la bibliothèque de médias. Nous allons prendre cette image en jpeg que j'ai téléchargée sur le web et qui n'est donc pas une vidéo, c'est une photo jpeg, mais on pourrait faire la même chose avec une vidéo. Ici je peux la redimensionner comme je le souhaite pour mon animation finale. Je vais faire un clic droit et je vais faire nouveau plan fusion. On voit que nous avons maintenant un fusion clip. Notre curseur étant au-dessus du clip, on peut aller directement dans Fusion pour afficher la page d'animation Fusion. Si vous ne connaissez pas du tout l'utilisation de cette page Fusion, je vous conseille de voir une vidéo précédente. Je vous mettrai ici un petit lien. Donc, ici, je vais passer en mode de visualiseur en cliquant ici. Donc, ici dans le visualiseur de gauche, j'affiche ce que je sélectionne avec ce petit point. Et dans le visualiseur de droite, je sélectionne ce que j'affiche avec ce petit point. Ce que je vais commencer par faire, puisqu'ici je vois que j'ai des bandes noires sur les côtés car mon image n'est pas au même ratio que ma timeline qui est en 1920 par 1080. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est rajouter un node transform. Donc, mon media in étant sélectionné, je peux rajouter le node transform. Ici, directement je vais aller dans mon inspecteur et je vais aller augmenter la taille pour remplir entièrement pour remplir entièrement mon format de 1920 par 1080 je peux me repositionner si je souhaite avoir un cadrage différent soit en attrapant l'image par ici soit en modifiant dans l'inspecteur les valeurs du centre donc là pour l'instant on est en 2d nous avons les principaux outils 3d qui se trouvent ici pour l'instant, nous allons nous déconnecter et nous allons voir un peu ces différents outils 3D. L'outil qui va être le cœur du système qui va nous permettre de connecter nos différents éléments, c'est le Merge 3D qui est ici. Donc on va en prendre un, il nous en faut absolument un pour pouvoir faire notre composition 3D et à la différence du merge normal, du merge 2D, on va pouvoir lui connecter un très grand nombre d'entrées. Alors comme notre comme notre composition est une animation de texte, on va lui connecter un texte 3D par exemple. Donc je prends mon texte 3D, je le connecte tout simplement. Et on pourrait se dire, un texte 3D et notre image en 2D, ça va nous suffire pour pouvoir réaliser notre composition 3D. Eh bien non, on ne peut pas connecter notre image 2D à notre merge 3D. Il faut d'abord la convertir pour qu'elle puisse être interprétée dans notre univers 3D. Donc on va la convertir. Pour la convertir, on va rajouter une image plane 3D. Il y a plusieurs méthodes, mais dans notre exemple aujourd'hui, nous allons utiliser une image plane 3D. Je l'intègre. à ma composition, je connecte directement la sortie de mon transform à l'image plane 3D et après je vais pouvoir connecter ceci à mon merge. On va pouvoir visualiser le merge 3D dans le visualiseur de droite. Et ici, je me retrouve dans mon univers 3D. Je vais passer sur un seul visualiseur pour y voir mieux. Voilà donc notre univers 3D. Je peux fermer l'inspecteur pour voir encore mieux tout ça. Je ne vois pas mon texte car pour l'instant, je n'ai pas rentré de texte. Donc je vais sélectionner mon texte 3D et je vais taper Nature. Le texte apparaît dans ma composition 3D. Alors avant de faire diverses opérations, et Composer ça de manière correcte, on va voir comment connecter mon merge 3D à ma sortie. Ici, je ne peux pas connecter directement mon merge 3D à ma sortie. Il me faut un node pour repasser dans un univers 2D. Et ce node pour repasser dans un univers 2D, c'est ici le renderer 3D. Il va nous reconvertir ces images qui sont en volume, avec une profondeur dans l'espace, sur une surface en deux dimensions. Donc je rajoute ce renderer 3D à la sortie de mon merge. Si je veux le visualiser, je vois que je repasse en deux dimensions. Mais retournons dans notre univers 3D. Je clique ici sur le petit point pour retourner dans l'univers 3D. Et une question qui m'est souvent posée, c'est comment on peut naviguer dans cet univers 3D parce que... A priori, on a une visualisation et on ne sait pas trop comment se déplacer autour de notre composition. Alors ici, tous les déplacements vont être contrôlés grâce à la roulette de la souris. Si j'appuie la roulette de la souris et que je me déplace de droite à gauche, je vais pouvoir me déplacer de droite à gauche ou de haut en bas dans ma composition. Ça, c'est juste en tenant la roulette de la souris appuyée. Ensuite, si je tiens la touche Ctrl appuyée et que je fais tourner la souris, je peux zoomer ou dézoomer dans mon image. Donc on voit bien que je peux zoomer, dézoomer et ensuite me déplacer en tenant ma roulette de souris appuyée. Ctrl-roulette, je zoome, je dézoome, roulette appuyée, mouvement de droite à gauche, de haut en bas. Et ensuite, comme on est en trois dimensions, on aimerait bien pouvoir tourner autour de notre composition. Alors pour tourner autour de notre composition, c'est toujours avec la roulette, je vais tenir la touche Alt appuyée, ce coup-ci. Je vais tenir la roulette appuyée et là je vais pouvoir tourner autour de ma composition de haut en bas, de bas en haut. Je vais pouvoir faire le tour de tout ça en gardant ma roulette appuyée et ma touche Alt appuyée. Alors par exemple là je me suis mis dans un angle en faisant Alt et la touche de la roulette appuyée. Maintenant je fais CTRL roulette pour voir de plus près ce que j'ai. Et je vois que mon image et mon texte sont dans le même plan pour l'instant. Il y a même une zone où ils sont plus ou moins mélangés, mais ils sont dans le même plan. Ça, c'est parce que par défaut, le logiciel crée les éléments dans la même position de départ. Si je vais dans mon texte 3D, que je vais voir ses coordonnées ici en cliquant ici, je vois que je suis en 000. Si je vais dans mon image plane 3D, que je vais voir ses coordonnées ici, je vois que je suis en 000 aussi. Donc, moi j'aimerais avoir mon texte 3D en avant de mon image, bien sûr. Donc, je vais cliquer sur mon texte 3D. Et ici, je peux soit modifier les coordonnées. La coordonnée de profondeur, c'est la coordonnée Z. Donc, soit je modifie ma coordonnée Z pour faire avancer mon texte 3D. Si je veux réinitialiser sa position, je vais cliquer sur l'entête ici. Il revient à la position 0. Soit dans l'image, je peux contrôler sa position ici en le déplaçant selon cette direction. Je vois que j'ai trois directions. Je peux le déplacer vers le haut, je peux le déplacer latéralement et je peux le déplacer dans la profondeur. Tous les objets ont le même type de contrôle. Si je décide de l'attraper par le carré bleu du centre, je vais le déplacer simultanément dans plusieurs directions à la fois. Ce n'est pas forcément très très facile à contrôler. Maintenant, si je tourne autour avec la touche alt, et la roulette de la souris appuyée, je vois que je suis bien dans un univers 3D avec des objets que je peux positionner à différents endroits dans l'espace. Revenons à notre texte. Si on le regarde de plus près, on voit qu'il n'a pas d'épaisseur là pour l'instant. Par défaut, le texte 3D donne un texte qui est sur un plan. Si je veux lui donner de l'épaisseur, je vais aller ici dans Texte. Je vais aller dans Extrusion et je vais donner de la profondeur d'extrusion. Et là, on voit notre texte qui prend de la profondeur. On peut aller très loin comme ça. Voilà, on peut faire un texte très profond si on le souhaite, ou plus ou moins profond. Et on peut même animer cette profondeur si on le souhaite. Ici, dans les commandes de notre texte, on retrouve de nombreuses commandes qu'on a pour le texte en 2D. On a notamment l'écriture Ryton si on le souhaite, on a le tracking et on a bien sûr la dimension, le size, si je veux la rapetisser un peu pour qu'elle rentre dans mon cadre, je vais pouvoir le faire. À ce stade-là de notre composition on va rajouter un nouvel élément qui est une caméra car ce qui va être intéressant dans les animations 3D, c'est de pouvoir faire bouger les éléments, faire bouger les lumières qu'on va rajouter aussi, mais aussi faire des mouvements de caméra. Et c'est par tous ces mouvements qu'on va révéler vraiment l'aspect 3D de la scène. La caméra, c'est ce qui va nous donner le point de vue final. Alors vous allez me dire, là pour l'instant, on n'a pas de caméra, mais on a quand même une image en sortie. Donc on a une image en sortie parce que par défaut, dans le renderer que nous allons voir, nous avons une caméra par défaut. Cette caméra permet de donner une image en sortie, mais elle n'a pas de présence physique réelle dans la composition ici. Tandis que si je vais là, je vais pouvoir attraper une caméra et l'intégrer dans ma composition 3D. Et à partir du moment où je vais la connecter au merge, tout ce que nous allons visualiser va être vu par l'œil de cette caméra en sortie. Alors pas ici dans cette vue en perspective. Mais si je vais en sortie du renderer, je vois actuellement ce qui est vu par la caméra. Et actuellement il n'y a rien du tout qui est vu par la caméra, car comme les autres éléments que nous avons vus précédemment, elle a été placée par défaut à des coordonnées 0, 0, 0. Donc si je retourne dans ma vue 3D, on va passer ici en double affichage. Si je retourne dans ma vue 3D, je vais voir que j'ai bien ma caméra, mais cette caméra pointe derrière les objets. Puisqu'elle est placée en 0, 0, 0. Donc pour qu'elle voit quelque chose, il va falloir que je recule cette caméra ici en Z. Donc si je recule en Z, je vois que je vais pouvoir visualiser mes différents objets. Maintenant que j'ai ma caméra dans le cadre, je vais pouvoir affiner ma composition. Donc je vais retourner sur l'image plane 3D et je vais pouvoir la repositionner ici en Y et je vais pouvoir l'agrandir pour qu'elle remplisse le cadre ici par le curseur de scale. Voilà, j'ajuste ça. Maintenant, mon image remplit mon cadre. Mon texte, je vais le descendre aussi un peu. Je sélectionne le nœud de texte. Je le descends ici par la flèche verte. Et comme ça, il est centré. Avant de passer à l'animation, on va régler quand même un petit problème qu'on a sur le visuel de notre texte. Car effectivement, on voit bien qu'il est en 3D, mais on n'a pas d'ombre et de lumière dessus. Donc, il n'est pas très très joli. Alors, pour créer des ombres et des lumières, on va rajouter un nouvel élément dans notre scène qui va être une lumière spot. Donc, ici dans mes outils, j'ai ma lumière spot. Je vais rajouter et connecter, comme d'habitude, au merge 3D. Comme d'habitude, ma lumière spot, si je vais ici dans mon inspecteur, je vais voir qu'elle se trouve en 0,0. Donc, elle va éclairer à l'arrière de la scène. Donc, je vais la reculer pour qu'elle éclaire ma scène. Mais pour l'instant, apparemment, il ne se passe rien. Car par défaut, on ne va pas visualiser les ombres et les lumières. Pour visualiser les ombres et les lumières, on va aller faire un clic droit dans la visu ici. Et dans les options 3D ici, on va afficher Lighting. On va le cocher. Et tout de suite, je vois que j'ai un affichage de la lumière. Je vais faire un clic droit encore. Et puis, aller. Sélectionner Shadows pour les ombres. Comme ça, j'ai un affichage complet de mes ombres et de mes lumières. Je vois ici que j'ai l'éclairage et j'ai l'ombre portée sur l'objet qui se trouve derrière. Si je refais un clic droit, que je vais dans 3D et que je décoche Shadows, je n'affiche pas les ombres portées. Mais ici, ça va m'intéresser de voir les ombres portées. Donc, je vais faire un clic droit, 3D Options, Shadows. Donc, ici, je vois que j'éclaire une partie de ma scène pour éclairer l'ensemble de ma scène. J'ai une multitude de solutions, soit je peux reculer jusqu'à ce que j'éclaire l'ensemble de ma scène, soit je peux aller dans l'inspecteur ici sur la configuration de mon spot et augmenter le cône d'éclairage. Mais ici je vais le garder un peu serré car je vais vouloir éclairer en déplaçant mon spot petit à petit. Donc tout à l'heure quand on fera l'animation, on va faire déplacer le spot pour éclairer petit à petit le texte. Et pour éclairer le reste de la scène, on va rajouter un deuxième spot qui va éclairer un peu plus large, lui. Alors je rajoute un deuxième spot que je connecte toujours à mon merge, qui se retrouve lui aussi en 000. Donc il va falloir aller le chercher, on va le garder bien séparé du premier pour ne pas se tromper quand on va créer l'animation et lui on va aller le faire un peu plus large. Alors on va pas se tromper entre le spot 2 et le spot 1, c'est le 2 qu'on va aller faire large. Donc j'augmente mon cone angle de mon spotlight 2 jusqu'à ce qu'il éclaire l'ensemble de ma scène. Mais ici en sortie dans mon renderer, ici c'est bien le renderer je vois que je n'ai pas l'effet de ces lumières que j'ai rajouté à ma composition 3D. Pour avoir cet effet de lumière, il faut que je sélectionne mon renderer et que j'aille ici cocher enable lighting pour activer l'effet des lumières et enable shadows pour visualiser les ombres aussi. Je vois que j'ai une zone qui est beaucoup trop éclairée puisqu'elle est éclairée par les deux spots. Je vais donc ajuster mon spot le plus large dans un premier temps. Donc je vais baisser un petit peu l'intensité pour que ma scène soit éclairée, mais pas totalement. Et puis je vais ajuster mon spotlight 1. Je vais là aussi baisser l'intensité de manière assez importante. Là pour l'instant j'ai envie d'ajuster mon éclairage global pour qu'il éclaire un peu par le côté pour accentuer l'effet 3D. Donc mon spotlight 2 qui fait l'éclairage global, je le sélectionne et je vais le déplacer sur le côté pour que l'ombre portée se déplace. Pour faire ceci, je vais aller dans mes coordonnées de mon spotlight et je vais donc déplacer mon spot dans la direction des x pour déplacer mon ombre portée. Mais je vois que la bordure de mon spot est un petit peu sortie de mon image. Donc si je veux me recentrer sur le centre de l'image, je vais utiliser Use Target. Et ainsi, je vais avoir vraiment le spot qui pointe vers le centre de l'image. Lorsqu'on fait ce genre de mouvement, ça permet d'avoir toujours le spot qui pointe vers le centre si on le désire. Ensuite, si je retourne dans mon inspecteur, je vais avoir le contrôle de mes ombres. Si je clique ici sur les contrôles, si je clique sur Shadows, je peux activer ou désactiver mes ombres. Je peux diminuer l'intensité de mon ombre si je le souhaite et je peux améliorer la qualité visuelle de mon ombre qui parfois peut être un peu déformée en augmentant le shadow map size. Si j'augmente le shadow map size, je vais avoir un temps de calcul plus important dans mes animations mais je vais éviter ces effets d'escalier sur mes ombres. Donc si j'augmente par exemple ici à fond, on va voir que la qualité de l'ombre est bien meilleure. On n'est pas obligé de se mettre à fond, on peut trouver un réglage intermédiaire qui donne une image correcte. Mais ici, en fait, je vais désactiver ces shadows. C'était juste pour montrer l'ensemble des contrôles. Je vais désactiver ces shadows car j'ai déjà les ombres portées de mon premier spot. Et je ne souhaite pas avoir deux types d'ombres portées, une seule me suffit bien. Donc je désactive l'ombre du spotlight 2. Je vais sur la lumière numéro 1. Et ici, je vais voir comment sont réglées les shadows. Elles sont activées. On voit si je les désactive, l'ombre disparaît. Elles ont une couleur noire et une densité moyenne par défaut. Je peux augmenter un petit peu la densité là et faire les réglages d'ombre que je souhaite. Si je déplace ce spot, je vois la lumière et les ombres qui se déplacent en même temps. Alors ici, j'ai une, une coupure entre la zone qui est éclairée par mon spot et la zone qui n'est pas éclairée. Par ce spot 1, j'ai une coupure qui est assez tranchée. Si je souhaite que cette coupure soit plus douce, je vais modifier le Peonobra Angle. Et là, je vais obtenir quelque chose de bien plus doux. Je vais baisser encore un petit peu l'intensité pour avoir un réglage correct de ma lumière sur l'objet. Et pour finir, je peux aller dans l'image plane, donc mon image d'arrière-plan. Je peux aller dans l'image plane, sélectionner la page de contrôle dans l'inspecteur. Et ici, dans Lighting, je peux lui demander d'être affecté ou non par les lumières. C'est un moyen de garder seulement, si je le souhaite, l'avant-plan éclairé par la lumière et pas l'arrière-plan. Et si je vais toujours dans l'inspecteur de l'image plane, dans ce deuxième onglet, je vais pouvoir contrôler la manière dont l'intensité de la lumière agit sur la surface. J'ai ici, dans le paragraphe spéculaire, la possibilité de modifier l'intensité de l'action de cette lumière sur l'arrière-plan. Donc on peut voir qu'on a de multiples réglages possibles sur ces lumières, sur chacun des objets, sur son arrière-plan bien sûr. Et le but une fois qu'on a créé tout ça, c'est de créer une animation. Donc dans cette animation, on ne va pas animer l'image plane, on va la laisser où elle est. Le texte, on ne va pas le faire bouger non plus. On va, comme on l'avait dit, animer le spotlight 1. On va le faire déplacer de gauche à droite pour qu'il éclaire petit à petit le texte. Donc on va dire qu'à l'image 10, par exemple, il va être complètement à l'extérieur du texte, on va l'amener ici pour l'image 10. Mais là, je me rends compte que l'intensité, on l'a descendu trop bas, donc elle est trop faible pour éclairer quoi que ce soit. Donc on va aller dans le spotlight 1 et on va remonter l'intensité pour qu'il puisse éclairer notre texte. Voilà, maintenant qu'il est ajusté, si je me déplace, je vois les ombres qui se déplacent, je vois ma zone de lumière qui se déplace sur mon texte. Donc on a dit que je positionne la lumière à l'extérieur pour démarrer, je vais ici dans mes contrôles de position et je vais mettre un keyframe sur ma position X. Je vais maintenant me déplacer dans le temps à peu près à 100 images. Ça fera aux alentours de 4 secondes pour cette animation. Et maintenant, je vais déplacer ma lumière complètement à l'opposé. Si je fais la lecture de cette animation, j'ai maintenant ma lumière qui se déplace sur mon texte et sur mon arrière-plan. Et je vois aussi les ombres qui se déplacent. Deuxième objet que je souhaite animer, c'est ma caméra 3D. Donc je sélectionne ma caméra 3D, je dézoome ici pour voir sa position, et ma caméra 3D, je vais vouloir qu'elle parte d'une position plutôt haute et qu'elle finisse dans une position plutôt basse pour nous montrer la grandeur de la nature. Donc si je déplace ma caméra 3D, je vois que je vais sortir du cadre, puisqu'elle ne pointe pas forcément vers le centre du cadre. Donc comme pour les lumières, je peux faire Use Target. Je vais réinitialiser la position ici en Y. Je vais cocher Use Target. Je vois immédiatement que j'ai une ligne qui a été tracée pour me montrer où se trouve la cible. Si je monte de haut en bas ou de bas en haut, je vois que ma caméra va rester pointée vers la cible. Et de droite à gauche, c'est la même chose exactement. Je réinitialise mon Y et mon X. Je vais rapprocher un peu ma caméra. Pour garder l'ensemble de l'image dans le cadre lors du mouvement de la caméra. Et donc ici, je vais animer les Y de haut en bas et le Z d'avant en arrière. Donc je vais retourner à l'image 10 ici, ici. Je vais positionner ma caméra vue de dessus. Je vais mettre un keyframe sur les Y et sur les Z. Je vais déplacer mon curseur à l'image 100, ma tête de lecture à l'image 100. Je vais déplacer ma caméra vers le bas, voilà pour voir bien par en dessous mon texte. Et par la même occasion, je vais déplacer ma caméra aussi vers l'avant pour avoir un grossissement du texte et me montrer que la nature est grande. Si je regarde mon animation en entier, voilà ce que ça donne. J'aurais pu aussi colorer un peu le texte, mais on peut faire plein plein de choses. Complémentaire sur une image comme ceci. On peut rajouter des couleurs, on peut modifier les couleurs. Alors vous avez vu, c'est un univers très riche, on peut faire beaucoup de choses. J'espère qu'avec les informations qu'il y a dans cette vidéo, vous pourrez déjà commencer à faire quelques animations intéressantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Pixel Light. Au revoir